Et bonjour à tous. Voilà, je tenais à remercier sincèrement le maire de notre commune qui fait partie des 300 maires qui a refusé d'ouvrir l'école le 11 mai. Et pour ça, je l'en remercie infiniment. Comme je vous l'ai déjà dit, ce confinement a du bon, dans le sens où il a permis à pas mal de gens d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en ce moment, de se rendre compte dans quel délire on est vraiment, de réaliser que ici maintenant, en Macronie, le petit monarque, c'est un vrai électron libre. Il prend les décisions n'importe comment, à l'encontre du bon sens, et il envoie la patate chaude à son ministre qui, lui, doit se débrouiller à trouver des solutions. Et oui, et on en est là. Donc, le confinement a du bon. En fait, à vrai dire, si il nous avait laissé le choix, je pense que beaucoup se seraient confinés de même. Bon. Maintenant, c'est sûr qu'il se prépare et profite de ce confinement pour nous faire des lois et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Du moins, ils croient qu'on ne s'attend pas. Sauf que du fait que de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe réellement et qu'ils prennent leur temps pour aller voir sur Internet et avoir des réponses que notre macronien ne veut pas nous donner, donc du coup, eh ben, les gens se soulèvent. Moi, j'en appelle au soulèvement, oui, effectivement. J'en appelle au soulèvement, j'en appelle aux gens qui ont du bon sens de se battre, mais de se battre dans la paix, c'est-à-dire de se battre à leur propre niveau. Si chacun se battait à son propre niveau, il n'y aurait pas besoin de guerre, il n'y aurait besoin de rien. Juste ne rien accepter de ce que l'on nous propose actuellement. Alors on nous dit que la Sécu nous a prévu une sorte de milice anti-Covid, une lettre a été envoyée à tous les médecins, etc., etc. Moi, je vous ai posté une vidéo de Corinne de Exister en Liberté où elle est top génialissime. Et moi, si vous avez un souci, je vous conseille de faire comme elle. Voilà. Cette vidéo est un exemple vraiment à suivre. Je vous la mettrai en dessous. Je ne suis pas tout le temps, je vais être franche avec vous, je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Mais là, pour le coup, l'astuce, elle est du tonnerre. Franchement, elle est géniale. Mais moi, ce que je vois au-delà de ça, en fait, c'est que pendant ces 2 mois, plus ou moins, c'est qu'on a pu réaliser ce qui se passait au niveau de nos enfants, au niveau scolaire de nos enfants. Et là, on peut dire que c'est le chaos total. Si on compte sur l'enseignement pour apprendre quoi que ce soit à nos enfants, c'est vraiment qu'on est des 12 utopistes, hein, parce que ce n'est absolument pas le cas. Les enfants n'apprennent rien à l'école. Mon fils en CE2, il a fallu revoir quasiment tout. Tout, de A à Z, lecture, écriture, mathématiques, etc. Tout de A à Z. Donc, question, que font-ils à l'école? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je me battrai bec et ongles pour que mon enfant ait un savoir, ait une connaissance et ait au moins, si ce n'est plus, les bases déjà qu'on ne leur apprend pas à l'école. Ben non. Hein, en 2 heures par semaine, que peuvent-ils bien faire des autres heures qui restent? Hein, je ne sais pas. 2 heures d'apprentissage à l'école par semaine, que font-ils du reste du temps? Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que pour moi, vis-à-vis de mon fils, en tout cas, ça a été quelque chose de très utile et de très positif. Maintenant, on sait qu'il se prépare des choses derrière notre dos, hein, et que beaucoup auront de désagréables surprises, si ce n'est déjà le cas, lors du déconfinement. Bon, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je n'adhère à rien. Je n'adhère à rien, je refuse tout. C'est pas compliqué, je refuse tout. J'ai même poussé le vice
J'ai même poussé le vice jusqu'à m'acheter un téléphone 3G. Ben voilà. Donc, plus de contact possible pour quoi que ce soit, juste par le téléphone, via le téléphone. Ou mon adresse mail, que je vous mettrai en dessous aussi, en cas où. Il faut se préparer à l'après-confinement. Et l'après-confinement, c'est s'attendre à tout ce que va nous préparer le macronien, tout ce qui va nous préparer, tout ce qui nous a déjà préparé d'ailleurs, mais dont on sera au courant qu'après. Hein, voilà. Bon, mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que ce monde est en train de changer. Hier, je suis sortie et j'ai parlé avec quelqu'un que je connais et qui m'a dit, c'est la fin du monde. Je lui ai rien dit parce que peut-être qu'elle n'était pas capable de l'entendre. Pour moi, c'est oui, c'est la fin. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et plus vite les gens en prendront conscience, plus vite ils le réaliseront et plus vite cela aura lieu. Voilà. Et c'est la fin d'un monde qui se prépare. Alors oui, je ne sais pas pour combien de temps il va y en avoir. Je pense qu'avec ou sans raison, le déconfinement, ce sera juste un laps de temps. Hein, on va revenir dessus régulièrement, à moins que, effectivement, le peuple se lève. Hein? Le peuple se lève et qu'ils disent, stop, il y en a marre, maintenant, on arrête les frais. Voilà. Mais je pense que oui, effectivement. En plus, il y a de plus en plus de petits organismes, si on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, de petits organismes qui voient le jour pour justement se battre pour l'après-confinement. Donc, des solutions avec des avocats, avec pour les médecins qui seraient un peu de la Gestapo, pour... Comment dire? Mais en fait, les médecins, certains ne sont même pas au courant. Hein, ils sont pas au courant. Donc, soit vous les informez, ils sont au courant et ils continuent, soit vous les informez pas et vous vous dites de toute façon c'est blindé, c'est même pas la peine. Et là, il faut absolument être aidé parce que on peut ensemble, on est beaucoup plus puissant que tout seul. Mais je suis contente parce qu'il y a plein de petites choses qui voient le jour comme ça, plein de petites d'entraide qui se mettent en route, plein de groupes d'entraide qui se mettent en route pour l'après-confinement. Et du coup, je suis sûre que c'est plus des cailloux que la Macronie aura dans les chaussures, ce sera des gros galets, les gros galets de la plage de Nice, ouais, ce sera des gros galets. Et donc, je pense que les choses ne vont pas aller comme ils le souhaitent. Non, il y aura des couacs, de toute façon, il y aura des couacs. Parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne sera pas d'accord avec ce qui se passe. Oh, bah, sans compter du côté politique, hein, parce que le côté politique, que ça part dans tous les sens aussi, vu que ceux qui étaient dans son parti politique à lui sont en train de lui tourner le dos, bah, les autres, ils en profitent pour lui tomber dessus. Enfin, bon, c'est vraiment c'est le branle-bas de combat partout en France. Alors, moi, pour ma part, ça me fait rire. Eh ben, ça me fait rire parce que ça part dans tous les sens. Plus personne ne sait plus rien, voilà. Et donc, du coup, ben, comme plus personne ne sait plus rien, eh ben, suivez votre cœur et voyez ce que vous voulez faire, vous. Et voyez ce qui résonne en vous ou pas. Mais c'est le moment, puisque on n'a pas d'informations. Et même quand on nous dit des choses, ça reste flou. On n'a pas de réponse à nos questions. Donc, à nous de dire, bah, écoute, moi, je suis désolée, mais alors ça me parle pas. Par contre, ça me parle. Donc, paf, j'y vais. Voilà. Donc, j'espère sincèrement que les choses n'iront pas dans le sens de la Macronie, mais que ça ira du côté du peuple, que le peuple se réunisse, mais qu'il ne se réunisse pas en masse, qu'il ne se réunisse pas comme avant avec les gilets jaunes prêts à sortir dehors et prêts à en débattre, parce que là, vous allez rencontrer du renfort, parce que je vous préviens, enfin, il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais d'autres pas, que, ils ont déjà prévu l'après-confinement, ils ont déjà prévu tous les rassemblements qui pourraient avoir lieu. Donc, moi, je vous conseille de vous rassembler dans des endroits discrets, hein, sans trop en parler sur Facebook, mais via plutôt
les boîtes mail, les... Vous voyez un peu? Se mettre en rapport les uns avec les autres, de façon à pouvoir nous aussi, hein, être prêts pour le déconfinement et pouvoir dire stop, stop, stop. Voilà. Nous, on veut autre chose. Nous, on veut être libre de nos pensées. On veut être libre de choisir ce qui est bon pour nous ou pas. Ce n'est pas à une personne de dire à toute la France entière ce qui est bon pour elle. Non. Parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. C'est l'être humain, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que chacun fait ses propres choix. C'est tout. Et on n'a pas à nous dire, et surtout à nous imposer, à nous imposer. Parce que, encore, dans le pire des cas, enfin, dans le meilleur des cas, si on nous disait, voilà, on prépare ça, le peuple vote. Ah ouais, mais ça s'appelle un référendum. Ben ouais, mais vu tout le nombre de lois qu'ils nous votent à la minute, on n'aurait pas le temps de faire des référendums parce que du coup le peuple il quitterait plus le référendum, il quitterait plus l'Assemblée parce que il y aurait trop de choses à voter, il serait H24 dedans. Donc non, 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 des choses qu'on nous impose, je suis contre, je suis complètement contre. Voilà, non. Pour nos amis portugais. Hein, qui pourrait écouter cette vidéo. Não estou de acordo com o que se passa em França agora. Nem agora, nem antes, nem com certeza depois. Não quero nada disto. Não quero, não quero, não quero, não quero. Ah. E eu não sou a única a pensar assim. Muitas pessoas começam a levantar a cabeça e a ver o que se passa atualmente em França e no mundo inteiro. Não sei bem como é que se passa em Portugal, porque não estou lá, mas as informações que eu recebo de Portugal são melhor do que aquelas que temos cá em França. Por isso, meus amigos, não nos deixamos ir abaixo. Sejamos unidos, todos. Juntos. E nós devemos, temos a necessidade, a possibilidade e a obrigação de dizer agora, já chega, acabou. Somos nós que devemos decidir daquilo que é bom ou não para nós mesmo, mas não só para nós, mas para os nossos filhos e saber aquilo que a gente quer deixar mais tarde para os nossos filhos. E que mais tarde os nossos filhos nos digam que foi graças às coisas que vocês fizeram do vosso tempo que hoje nós podemos ter uma vida melhor. Desculpem por a maneira que eu tenho de falar, mas é verdade que a única maneira que eu tenho de falar português é com vocês. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado a todos por compreenderem que já há mais de 10 anos que não vou a Portugal, que não falo português, e graças a vocês e graças a uma pessoa que me falou em português a última vez que fiz uma vídeo, deu-me força e vontade de falar francês e português, e por que não? Porque eu sou portuguesa, nasci em Lisboa e estou a viver em França e sou de nacionalidade francesa porque trabalhei no hospital e para trabalhar no hospital somos obrigados a ter a identidade francesa, por isso mesmo. Sou francesa, mas o meu coração é dividido em dois. Tenho um a metade em Portugal e a metade em França. E é por causa disso que agora, a partir de agora, decidi de fazer a vídeo em duas partes, quer dizer, uma francesa e uma portuguesa. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada por me terem ouvido até agora. Muito obrigada por continuar, porque tudo o que eu digo sai do coração. Petit aparté, j'ai fait ce petit commentaire. En fait, j'ai dit grosso modo ce que j'avais dit avant,
en plus condensé, pour les Portugais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas les Portugais? Parce qu'en fait, je suis les deux, moi. Ben oui, j'ai mon cœur. Je suis née au Portugal, je suis née à Lisbonne, donc d'origine portugaise. Et j'ai mon cœur en France aussi parce que bah, j'y vis depuis l'âge de mes 6 ans. Et du coup, je suis de nationalité française parce que pour travailler à l'hôpital, il a fallu que je fasse ma demande de nationalité française. Voilà. Donc mon cœur est partagé en deux, Portugal et France, franco-portugais finalement. Donc je trouve, depuis quelque temps, je trouve relativement normal de partager et de parler les deux langues sur la même vidéo. En se disant bien que je dis la même chose, je ne dis pas de choses différentes vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Voilà. J'ai décidé de faire ça parce que sur ma dernière vidéo, au final, j'ai dit deux, trois phrases en portugais et j'ai eu un retour super sympa d'un portugais qui me suit à première vue depuis longtemps et qui a dit il m'a carrément répondu en portugais en me disant qu'il appréciait ce que je faisais et. Voilà, donc du coup, ça m'a donné envie. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas les deux au final? Hein? Là, c'est pourquoi est-ce que sur une même vidéo, je ne dirais pas en français ce que je dis en portugais et vice-versa. Donc voilà. Sur ce, mes amis, gardez courage. Courage, amigos, courage. Força. Espoir. Soyons unis. Restons unis. Et ensemble, ensemble, on y arrivera. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'espoir et pourquoi pas pleine d'humour aussi, des fois on ne sait jamais, hein? Voilà, la vie change, on change tous. On est des êtres humains, des êtres souverains. Merci et que l'amour soit avec vous. Gros bisous, je vous aime tous du fond du cœur. Bye. Thank you.